Est-ce que c'est le temps qui passe trop vite? Est-ce que c'est nous qui sommes trop lents? Toujours est-il que cela fait déjà 5 mois que nous sommes partis. 5 mois à vivre dans ce fourgon aménagé, et avec Caroline, impossible de nous lasser. La Vendée, la Gironde, le Pays Basque, les Pyrénées, l'Espagne. Des rencontres, des amis, puis toujours ces lieux sauvages que nous aimons tant vous partager. Dans cet épisode, justement, nous allons partager avec vous nos derniers instants dans les Hautes-Pyrénées. Je partagerai aussi une réflexion que je me suis faite après une rencontre. Une réflexion qui, je le souhaite, en toute humilité, puisse vous aider vous aussi dans la réalisation de ces projets qui vous font en vie. On vous embarque au cirque, vous allez visiter le cirque de Troumousse, le cirque de Gavarnie et le cirque de Estobé, avec des images incroyables à faire et donc pour vous à profiter, mais ça se mérite, croyez-moi, il va falloir marcher, il va falloir crapahuter, il va falloir monter des étages, il va falloir avoir de bonnes chaussures et une sacrée motivation, mais si vous êtes prêts à nous suivre, alors on est prêt à y aller. C'est parti! Alors, on s'en va visiter le cirque de Gavarnie, juste derrière nous, ici. Donc, on a trouvé une place pour José. On prépare nos sacs à dos et c'est parti pour la visite.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. In the great outdoors, forever free, you and me, meant to be. In the great outdoors, forever free. Magnifique, splendide, d'autant que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli me gameler. Ça aurait été drôle. Faut juste que tu préviennes, que je puisse le filmer. Nous descendons de Garvarnie pendant que Caro fait de la cascade. Et en plein mois d'août, hein, en plein été, c'est l'enfer ici. Il y a plein de gens, il y a plein de monde. Il y a des gens avec des suites fluo, jaunes et rouges, qui vous empêchent de prendre des photos. Il y a tout ça. Donc on est plutôt content de l'avoir vécu maintenant. Et puis on a rencontré un monsieur, et c'est pas la première fois qu'on rencontre des personnes avec qui on discute. Évidemment, on leur dit aussi que on vit sur la route finalement, hein. On vit dans un fourgon aménagé à l'année, et on voyage à l'année, ce qui nous donne l'opportunité de voyager hors saison et de visiter ce genre de lieu hors saison. Et le monsieur, c'est le deuxième cette semaine, nous dit « Ah, c'est génial ça, c'est vraiment génial, vous en avez de la chance ». D'après vous, est-ce qu'on a de la chance ? J'ai l'impression d'y être un petit peu pour quelque chose avec Caro, de vivre ce que l'on vit. Je ne suis pas sûr que la chance est réellement... En fait, la chance, c'est une partie absolument infime. La réalité, c'est que c'est inconfortable aussi parfois de lâcher du confort, une maison de 120 mètres carrés en Bretagne et en bord de mer en plus. C'est un inconfort de quitter son emploi comme l'a fait Caroline, de quitter un CDI. C'est un inconfort de s'éloigner de la famille, c'est un inconfort pour moi de fermer un cabinet qui fonctionnait super bien et de prendre le risque de vivre sur la route et de faire un crédit pour payer un véhicule, etc. Tout ça, ce sont des inconforts, ce sont des prises de risques. Au fond, la chance n'y est pour rien. Il faut savoir qu'on travaille sur ce projet depuis 7 ans, depuis 2012 où nous avons fait la route 66. D'ailleurs, à ce sujet, viendront des actualités au sujet de la route 66, mais je vous réserve ça. Toujours est-il que ça fait 7 ans que nous travaillons et c'est beaucoup d'inconfort, beaucoup de joie aussi, hein, bien sûr, beaucoup d'échecs aussi, beaucoup d'incertitudes. Donc, au fond, la chance ne nous a pas tellement servi à grand-chose. Par contre, les actions bien posées, réfléchies, le fait d'accepter de se relever d'échecs, de doutes, de remises en question, d'auto-sabotage, ça... de ne pas se laisser prendre là-dedans. On va passer dans le glacier, là. Donc, c'est possible que ça glisse un peu. Je vous montre le glacier. Ici. Voilà, on va le traverser. Bon, je ne sais pas si c'est un glacier. En tout cas, c'est de la neige. Hein. C'est peut-être pas un glacier, mais ça y ressemble un peu. Et au fond, ça va ? On va la perdre.
Donc clairement, c'est juste attention avec cette idée, t'as de la chance, t'as pas de la chance, parce que on le dit, c'est une façon de parler. Mais comme toujours, j'aime bien être un peu tatillon avec les façons de parler, parce que les façons de parler sont comme des messages à l'inconscient. De dire vous avez de la chance, c'est comme attendre que la chance tombe, alors que la réalité et la meilleure chose à faire, c'est de poser des actions qui vont permettre de vivre ce qu'on a à vivre, combien même c'est inconfortable. Quand on y tient vraiment, on est prêt à payer le prix. C'est réellement ça l'idée. Est-ce que vous êtes prêt, vous, de votre côté, par rapport à vos grands projets, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Pour moi, il y a une différence entre un rêve, un fantasme, disons, et une envie. Et cette différence, c'est le prix à payer. Un fantasme, c'est quelque chose qui nous fait triper, qu'on aime bien imaginer, mais en fait, on n'est pas prêt de le faire. On n'est pas prêt à payer le prix pour ça. Alors qu'une envie, on est prêt à payer le prix pour ça. Et comme moi, je n'ai pas envie de regretter d'avoir vécu qu'à moitié, ce genre de projet philosophie nomade, on n'a pas attendu que la chance nous tende les bras. On s'est donné les moyens. Et je ne me place pas ici en moralisateur, mais c'est simplement que des fois, quand tu te casses le cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quand tu fais des efforts de dingue, quand tu te plantes, quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu pleures, et que tu réussis finalement à réaliser ton projet, et qu'on vient de te dire, vous avez de la chance, et je sais que c'est avec bon cœur, et qu'il n'y a pas de... C'est une façon de parler, encore une fois. Mais toi, en ton fort intérieur, tu te dis, de la merde, de la chance. La réalité, c'est que je me suis donné les moyens. Putain, c'est fatigant de marcher dans la neige. Vous allez, j'ai l'impression d'être Nicolas Hulot, moi. À chaque fois que je fais une vidéo, je suis essoufflé. Peut-être parce qu'il faut que je perde du poids aussi. Tiens, ça aussi, c'est un challenge à relever. Bref, les amis, merci encore d'avoir été avec nous jusqu'ici, au bout de cette vidéo. J'espère que tout est parfait pour vous. Les conditions sont un peu ce qu'elles sont. Il y a peut-être de la buée sur la caméra, je ne sais pas, je ne vois pas d'ici. Toujours est-il que n'hésitez pas à faire un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Tu veux dire un truc? Bon non, tu dis tout le temps tout. J'ai rien à rajouter.